Salut potos, c'est José Agnopus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale de nos revues sur FIFA 18 de Mohamed Salah 91, le dernier boost que j'ai fait parce que j'ai le recueilli que j'ai passé par le paquet de mon voilà. Donc cette revue va se voir, on va regarder comme ça. Donc en premier le prix. En deuxième, les stats, après avec l'équipe, comment je vais jouer avec lui, quel coach je vais mettre et tout ça, et après, voir les occasions qu'il a eu, les buts, tout ça. Donc, les amis, son prix, 488 000 crédits sur PS4, 475 000 crédits sur Xbox One et 335 000 crédits sur PC. Sur PC pour la carte normale, après on va regarder la carte PW, 535 000 sur PS4, 496 000 sur Xbox One. Et 449 000 pour PC, la carte OTW, achète carte spéciale à part Touch ou Petit, elle augmente. Voilà, donc maintenant les stats, 98 de vitesse. Un truc que j'ai pas compris, c'est accélération et vitesse normale, c'est 97. Bon, bref, c'est pas grave, 92 de frappe, 87 de passe, 95 de but, 55 de défense, et 80 de physique, mais 73 de force, donc à l'épaule, c'est pas superbe. Après frappe, 99 de placement possible, 99 de finition, 89 de puissance, certains des super stats à part en coup franc, en penalty, ça va, et en volée, 89, vraiment des très très belles stats, en dribble aussi, 95 de dribble. N'était pas si c'est trop court, mais des super stats avec un 85 ensemble, donc ça c'est pas mal quand vous faites jouer lui. Donc je vais jouer comme ça, et après ça en cours de match je change et je vais passer en 4-4-2 losange comme ça avec Salah en pointe, donc voilà, avec deux légendes aussi. Qui est très très bien, voilà une occasion dans la qualité pas très top quand j'enregistrais, une passe décisive là sur ce but. Il a vraiment des qualités excellentes, hein, Mohamed Salah, j'ai marqué sur tout mon futur, et je vais pas finir, hein, je me suis arrêté à 18 matchs. Il a marqué 22 buts et il a fait 24 passes décisives en 30 matchs, donc on voit qu'il est assez décisif, hein, il doit être aussi décisif, pareil. Donc voilà, on va avoir un peu, bon il aura 2-3 des occasions quand même, comme celle-ci, c'est pas très bien de sa part. Après, il y a celle-ci, oui celle-ci, on va voir. Là, il la rate de foncer le frappe de loin, super parade. Bon, voilà, hein, il est bon. Je vous le conseille. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de le prendre ou de le prendre en OTW parce que le TW baisse en ce moment avec qu'il a eu un boost. Et pourquoi? Parce qu'il reste pas beaucoup de matchs et il a peu de chance d'avoir des boosts. Mais prenez-le quand même. Parce qu'à la fin de l'année, à mon avis, ça sera lui le meilleur joueur BPL de l'année. Il y aura le DCE comme l'année dernière, logiquement. Et du coup, soit vous le revendriez, soit vous le foutrez dans le DCE et il coûtera largement moins cher que lors du DCE que vous allez vouloir acheter pour juste pour le faire. Bref. Avant qu'il soit la quête, mais je pense plus que ça sera pour mettre ça là, avec tous les records en ce moment, en première ligue. Voilà. En plus, en jouant ailier, il n'a pas joué du tout le match en buteur en avançant en étant avec la première là comme vous voulez. Donc voilà. Pour ça, à mon avis, ça sera lui avec des enroulés de gauche, même de là. Il est dans la surface, et même à l'intérieur de la surface, à l'extérieur de la surface, c'est des enroulés, bon, ça marche super bien. Donc, je vous le conseille, pas cher du tout pour plus pour le prix pour cette qualité d'attaque. On sait, donc j'espère que les effets que là j'ai mis vous auront plu. Les génériques aussi. Bon, ok, j'ai une bonne équipe à côté, mais comparé à d'autres, bon, des super équipes comme le Max, je prends l'exemple d'un gros youtubeur, hein, qui a le PTF, il a été mis dessus d'ailleurs, bon, bref, voilà. Comparé à lui, j'ai une petite équipe et ça marche quand même pas mal. Mais je ne peux plus tout vous mettre, après ça les faire pour une vidéo. Mais voilà, comme je vous disais,
c'est plus d'une vingtaine de buts et plus d'une vingtaine de passes en 33 matchs, encore une fois c'est cité. Voilà, il tire très très bien les corners, hein, même ça là, même les coups francs pour centrer et le mettre dans la boîte, il les tire très bien. Après, voilà, il est bon, même un joueur qui est pas bon, moi je suis pas si bon que ça, donc voilà, même un joueur moins bon que moi, il va trouver du plaisir à jouer, et ça je l'ai pas créé. Comme je vous le disais, j'étais content, au début je me disais, je vois, Égyptien, OTW, c'était normal, c'était un fait, OTW, je vois Égyptien, je me dis c'est de la merde, après je vois ça, je dis youhou, juste avant qu'il est sur Boost 90, hein, donc voilà, ça a fait toute une heure, la pagaille, parce que vous avez pris sur les endroits, je me dis, alors que Péotem a pris plus de pas au Péotem, il est plus puissant, donc voilà, encore une page ici, je fais là-dessus. Les amis, voilà, on va se dire au revoir, c'est bientôt fini. On regarde le dernier que je vous ai mis là dans la vidéo. Et puis voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En fait, j'étais malade, donc je n'ai pas pu vous sortir cette vidéo avant de voir le nombre de bêtises. Enfin, je suis vraiment fort. Donc, les amis, c'était un plaisir de vous. Mettez des likes, abonnez-vous, commentez la vidéo. Salut.